Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre le problème des images des produits qui ne s'affichent pas. Alors, voilà, par exemple, ici, nous sommes dans la catégorie Red Hot sur Airsoft. Et il y a des images de couverture. Alors, la première image qui est affichée dans la catégorie s'appelle image de couverture. On parle aussi d'image par défaut. Si on clique sur le produit, 1.32, on s'aperçoit que il y a bien des images de produits, que c'est bien l'image de couverture qui n'est pas précisée, qui n'est pas renseignée. Alors, petite astuce, regardez quand vous passez la souris sur le lien de l'image, tout en bas, il y a écrit le lien, il y a l'adresse URL du produit. Donc Airsoft Atlantique, slash FR, Atlantic Corporation, slash, et avant le nom, 92-18, vous avez l'identifiant du produit, l'identifiant PrestaShop. Donc on va aller dans PrestaShop, et on va rechercher le produit 92-18, et on va voir un peu ce qui ne va pas au niveau des images. Donc je vais dans PrestaShop. Catalogue, produit, je recherche 92-18, rechercher, me trouve un produit, et là quelque chose de bien, c'est que il a bien des images, produit, donc ça concerne que la couverture, c'est déjà pas mal, c'est bien. Donc on va aller voir plus en détail. On profite pour regarder un peu tout, on ne sait jamais, disponible à la vente, affiché, donc c'est tout est bon. On va aller voir images. On a toutes les boutiques. Toutes les boutiques, images. Et là, on s'aperçoit que tout semble bon, parce que dans la boutique Airsoft, il y a bien des images. Dans la boutique Paintball Atlantique, il y a bien des images. Qui a bien des images de couverture. Donc, tout semble bon. Alors, il faut continuer à chercher. Et donc là, on a vu que dans la boutique Airsoft, c'était pas bon. Donc, on se place dans la boutique Airsoft. On va dans Images. Et là, on s'aperçoit que l'image de couverture n'y est plus. Donc voilà, il suffit de corriger ici. Et là, cette fois-ci, dans la boutique Airsoft, ça sera bien cette image comme image de couverture. Voilà, donc il faut investiguer partout Airsoft, Paintball et tout. Bon, moi, je préfère travailler sous Store Commander. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, sous Store Commander, toutes les boutiques. On va aller voir Airsoft, accessoires, accessoires répliques, Red Hot. On va aller voir. Donc, qui charge en vue d'ensemble. Voilà. On cherche 92-18. Très bien. C'est bien notre produit. On regarde un peu si tout est bon. On a vu que tout à l'heure tout était bon. On a vu que tout était bon. Premier réflexe, on va voir dans la catégorie s'il a un petit passif ce produit. Il est Atlantic Corporation, Red Hot, impeccable. Jamais été repéré. On va aller voir les images. Et là, ça va être la même chose que tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que dans toutes les boutiques, il y a bien des photos, il est bien dans Airsoft, il est bien dans Paintball, et il y a bien une couverture. Image par défaut, une couverture. Et alors, pourquoi dans Airsoft, c'est plus le cas? Alors, attendez, vous voyez, il faut attendre que ça se rafraîchisse. Voilà. On rafraîchit. Pourquoi là, c'est plus le cas dans Airsoft? Mystère. Bon, ça fait rien. On en profite. On corrige. On enregistre au passage. On fait réactualiser.
c'est bien pris par défaut. Et tout à l'heure, on a vu que, donc si on fait actualiser, maintenant ça va être corrigé. Voilà, on s'aperçoit que c'est pas le seul produit. Donc, voilà. Donc, voilà, celui-là il est bon. Celui-là est bon. Voilà, on profite pour rapidement corriger. Ah. Voilà. Voilà. Donc là, il n'y a aucune image en défaut. Trigicon. Voilà. Donc moi, je vais corriger là toutes les images de couverture. Aussi, qu'on parle de défaut pour les Red Hot. Mais bon, à vous de jouer pour les autres images.